myself. Take me right back to the start. Hello les gens, c'est Claude, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo tuto pour vous montrer comment on fait pour placer une carte sur le mur et aussi de l'agrandir. Alors pourquoi je fais ça? Alors je pense que déjà beaucoup d'entre vous savent le faire, mais je le fais pour ceux qui le savent pas. Et beaucoup de gens m'ont demandé ça, donc c'est pour ça que je fais ce tuto. Donc là je vais vous montrer, là j'ai déjà une carte. Donc ça va être très simple. Pour ce faire, il faut que tu fasses des cadres. Ensuite tu mets un cadre sur le mur et tu places ta map. Donc moi ma carte principale c'est celle-ci, c'est là où j'ai spawn. Donc une fois que tu l'as placée, voilà, donc là la carte elle est bien sur le mur. Et si tu veux l'agrandir, il faut que tu sortes de cette map. Donc par exemple imaginons, attends juste de me rapprocher, imaginons je suis là et d'un coup je me mets ici, j'ai quitté la map. Il faut que tu rouvres une carte et après tu peux compléter la zone et voilà, donc tu remets un cadre et là tu peux poser la carte que tu auras refait. Et donc tu as une suite de maps. Donc tu vois là ça se connecte bien, c'est logique. Et puis après tu refais pareil, donc imaginons je suis là, je descends, hop, je suis en dessous, je revue une carte, j'explore la map, je reviens à la maison, je pose le cadre et hop je remets la carte et ça complète la map. Et en plus de ça, tu l'agrandis, voilà, c'est logique, c'est correct. Donc voilà les gens, comment il fallait faire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On va fixer un objectif 15 likes. N'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour les nouveaux. Et moi je dis, ciao tout le monde.